pas sauter, c'est tout simplement tu décolles, tu gardes 60 nœuds, 200 pieds tu fais un virage, 20 degrés d'inclinaison, jusqu'à arriver parallèle à la piste, ou à 900 pieds, auquel cas tu te mets en palier, palier approche, donc 70 nœuds, un cran de volée, bien parallèle à la piste, tu arrives sous 45 degrés par rapport à ton point d'aboutissement, en réduction, assiette, inclinaison, 20 à 30 degrés. Si tu fais 20 degrés au départ et 20 degrés à l'arrivée, tu fais un ovale parfait. Okay. Donc tu reviens pile poil sur ta piste. Puis c'est là, quand je passe 45 degrés par rapport au point d'aboutissement, ouais, que je commence mon truc. Et je commence à descendre en même temps. Voilà. Okay. Tu arrives à 45 degrés, réduction, assiette, inclinaison. Bon, tu me réveilles quand c'est fini. Ok, information bravo. Que Nash 1013, 32 en service, visibilité plus de 10 km et j'ai pas pris le vent. Le vent calme. Vent calme, ok. Il était pas tiré. Ah, il se. Ok, faut que je le garde tiré. Je m'en vais au Québec en
rappel en cours. Démêlé, démêlé, on vise 69.
sommet de Zappé. Virage 30 degrés. Est-ce qu'on a les deux AP? Ouais. Donc tu continues 30 degrés convergent. T'es déjà à 30 degrés convergent. Ouais. Okay. Ok, je suis à 45 degrés, je passe la base. Sur un cran de volet. Ah d'accord. Ah t'es haut là. Ouais. Un cran. Autorisé au toucher, ce serait pour un deuxième encadrement à l'issue si possible. Je suis en pied vertical. En pied vertical, merci, sur Alpha. Je suis sûr de faire la piste sur les volets. C'est les deux AP, hein, c'est pas une question de 45 degrés. Tu gardes tes deux AP tout le temps, tu seras bon. Ok. Attends encore un peu. Ouais, ouais, j'attends. Voilà, là, tu peux le sortir. Pourtant, je pense pas pouvoir utiliser des termes plus simples.